Hello et bienvenue dans cette journée numéro 1 de la formation gratuite Comment vivre de votre passion dans le bien-être. Je suis vraiment contente d'être en live aujourd'hui avec vous pendant ces 3 jours qu'on va passer ensemble pour parler justement de comment est-ce qu'on peut arriver à gagner sa vie avec sa passion dans le bien-être de façon complètement alignée, vraie, authentique. Et on va passer donc 3 jours ensemble. J'attends que tout le monde puisse se connecter. On est en live sur Facebook, on est en live sur Instagram. Si c'est la première fois que vous êtes en live avec moi, que vous participez à l'une de mes formations gratuites, faites-moi un signe, dites-moi qui vous êtes, racontez-moi de vous. Et on va commencer pour cette journée. Hello tout le monde, petit à petit vous me rejoignez sur Instagram, heureuse de vous voir. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que tout fonctionne bien? Pour l'instant, je ne vois pas encore les commentaires sur Facebook. Donc, on va attendre un peu. Parfois, ça met un peu de temps à charger. Hello tout le monde! Hello, hello! Donc, aujourd'hui, je vais vous partager quelles sont ces 3 étapes dont je vous parle, les 3 étapes qui m'ont permis de vraiment commencer à vivre de ma passion et qui m'ont amené jusqu'à faire 1 million en seulement 4 ans avec mon entreprise dans le coaching. Oh, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec Facebook. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, si je ne me trompe pas, il y a Mercure rétrograde en ce moment. Les astrologues dans la salle, confirmez-moi ça. Alors, je vais dire à mon assistante comment on va faire. D'inviter les gens à me rejoindre sur Instagram. Entre-temps, vous que vous êtes là, dites-moi qui vous êtes, présentez-vous. Présentez-vous à la communauté. Hop. Facebook ne fonctionne pas. Les aléas de la directe. Bon, on va voir en attendant que toutes les personnes qui sont connectées sur Facebook puissent nous rejoindre sur Instagram. Hello tout le monde. Hello T. Hello, hello. Est-ce que c'est la première fois que vous êtes en live avec moi, Christine, énergéticienne de Bruxelles? Hello, Christine. Super. Hello, tout le monde. Donc, pour toutes les personnes qui sont là pour la première fois, donc c'est la première fois que vous êtes en live avec moi, peut-être vous avez vu quelque chose passer, vous avez commencé à me découvrir par mes derniers posts, première fois pour moi. Hello, Tiffany. Hello, hello. Je vais me présenter, je vais vous parler un petit peu de moi et de là on va partir pour que je puisse vous raconter du coup comment est-ce que moi je le fais et comment est-ce que je l'enseigne à mes clientes et pourquoi est-ce que ça fonctionne pour elles alors que pour la plupart des gens effectivement même en mettant en place toutes les stratégies, toutes les actions, ça ne fonctionne pas. Hello, hello. Donc, comme vous pouvez l'entendre pour les personnes qui sont nouvelles, je suis italienne parce que ça c'est mon accent, donc vous entendez un accent, c'est parce que je suis italienne et j'ai commencé cette entreprise il y a 4 ans. Donc il y a 4 ans je me suis lancée, j'ai commencé en plusieurs langues, j'ai commencé en français, en italien, en espagnol, mais la France c'est le pays qui a commencé le plus vite et de façon exponentielle. Donc j'ai un master en marketing stratégie commerciale, mais c'est pendant ça. Oui, donc je sais comment effectivement attirer les clients, je sais comment mettre en place des petites choses et c'est pour ça que 6 mois après m'être lancée, mon entreprise, hello Mélanie, a commencé à fonctionner très très vite, ok? Donc 6 mois après, je pouvais déjà vivre de ça. Sauf que, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'à plus d'un moment, j'ai commencé à stagner. Est-ce qu'il y a certains d'entre vous qui se trouvent dans cette situation dans laquelle, bon, elle a commencé à fonctionner, mais peut-être les choses bloquent un peu? Moi, c'est comme ça. J'étais arrivée à ce moment-là, les choses ont commencé à bloquer. Donc, je me disais, pourtant, je connais les stratégies, pourtant, je mets en place les actions. Qu'est-ce que ça bloque? Qu'est-ce que ça bloque? Ça, c'était... Je suis avec toi depuis 2020. Oui, Eva. Donc, j'ai commencé à chercher, j'ai commencé à ne pas comprendre. Et vous savez, quand on vit des choses comme ça, c'est toujours très challengeant. Notre cerveau réagit très fort. Donc, c'était pourquoi, qu'est-ce qui ne va pas moi, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce que je fais de mal, pourquoi pour les autres ça fonctionne. C'est notre cerveau, c'est tout simplement comme ça qu'il fonctionne. Il se compare, il voit les autres. Donc,
J'ai cherché, sans comprendre et j'ai culpabilisé normalement parce que je disais qu'est-ce qu'il y a en moi qui ne va pas, pourquoi je n'arrive pas à faire des chiffres d'affaires alors que je vois d'autres personnes qui peut-être n'ont même pas beaucoup plus que moi, sont d'autres êtres humains normaux comme moi qui font autant des chiffres d'affaires, qu'est-ce qui ne marche pas? Voilà, c'est exactement ça. Donc il y en a qui se trouvent dans cette situation. Donc à ce moment-là, ben voilà, je commence à... Je ne sais pas que je commence à chercher. C'est plutôt que les choses sont venues à moi. Je tombe sur une formation gratuite, un peu comme celle-ci que vous êtes en train de suivre avec moi, d'une coach américaine. Et cette coach parlait de mindset. Le mindset. Combien d'entre vous savent qu'est-ce que c'est le mindset? Moi, à l'époque, je croyais juste les affirmations positives, oui, les croyances limitantes que j'avais avec l'argent. J'avais vraiment une histoire difficile avec l'argent, ok? Donc, je me disais, bah, il y a des blocages forcément sur ça. Donc, j'ai cherché des solutions. Quand je tombe sur cette formation-là, je sentais que c'était pour moi. Je sentais que je devais masquer. Mais à l'époque, je n'avais pas l'argent. Donc, comment est-ce que je pouvais masquer dans cette formation qui coûtait à l'époque 2000 euros? Alors que je faisais à peine, ce mois-ci, j'étais en train de faire 400 euros. Et bien, j'ai demandé à ma mère. Je lui disais, maman, je sais que je suis destinée à ça. Je sais que ça va fonctionner. Et je sais que ça, c'est la bonne coach pour moi. Donc, je vais investir. Et ma mère, elle me donne tout ce qu'elle avait pour que je puisse investir dans ça. Donc, je commence à travailler sur moi. C'était plus les stratégies, c'était plus les actions. J'ai commencé à travailler sur mes pensées. Donc, j'ai mis en place 3 étapes. Très 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 simple que je vais vous partager aujourd'hui. Et les choses ont commencé à fonctionner non pas parce que j'ai changé mes actions vraiment, mais parce que j'ai changé qui j'étais à l'intérieur. J'ai changé tout ce que je croyais vrai à propos de moi. J'ai commencé à comprendre comment est-ce que le cerveau fonctionnait. Et c'est ça qui a fait tout le changement. Petit à petit, c'est ainsi qu'aujourd'hui, je suis arrivée à faire le million. Aujourd'hui, une de mes clientes qui est dans la business school m'a dit, Claudia, mais quelle est la différence entre les personnes qui font le million et les personnes qui encore n'y arrivent pas? Et moi, je dis que je le croyais possible. C'est tout simplement ça. Il y a beaucoup d'histoires derrière ça. Je vous parlerai plus de ça parce que derrière cette histoire du million, il y en a encore plus. Mais aujourd'hui, je vais parler vraiment aux personnes qui veulent gagner leur vie avec leur business dans le bien-être. Et je vais vous faire comprendre que les choses peuvent être tellement simples. Hello tout le monde! Les choses peuvent être tellement simples, mais tellement simples. Mais alors, si c'est aussi simple, pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Alors, avant de vous dévoiler et vous parler de quelles sont ces 3 étapes qui sont vraiment simples et que tout le monde peut vraiment appliquer, moi, je vais vous demander une chose. À quel point aujourd'hui, de 0 à 10, vous voulez vraiment vivre de votre passion? Vous voulez vraiment vous créer cette expérience humaine dans laquelle vous êtes entrepreneuse, vous avez la liberté, vous pouvez gérer votre agenda, vous pouvez gérer votre temps, vous pouvez gagner ce que vous voulez gagner? Qui ne doit pas forcément être le million, ni 20 000 euros par mois, ni 10 000 euros par mois. Peut-être que vous êtes très content avec 2 000 euros par mois et c'est parfait. Mais peut-être que ce que vous voulez vraiment, c'est le temps. Alors ma question est de 0 à 10. À quel point vous croyez que cette vie est possible pour vous? 20 sur 10, j'adore Flora. À quel point vous êtes persuadé que vous pouvez le faire, que cette vie, vous êtes destiné à ça? Et l'autre question, l'autre chose que je vais vous dire ici, c'est cette formation, je ne veux pas qu'elle reste juste une formation comme d'autres formations qu'écoutez. Donc, vous écoutez par ici, par là. Donc, vous vous êtes inscrite 2000 sur 10. J'adore, Lisa. Je ne veux pas qu'il reste juste quelque chose que vous avez entendu une fois, vous êtes venu, oui, j'ai entendu Claudia, elle peut parler de ça, oui, j'ai compris, ça fait des déclics, super, et c'est fini. Attention, je vais vous parler de quelle est la chose qui vous bloque aujourd'hui. Dans cette journée, 10, 10, 10, j'adore cette motivation parce que cette motivation, c'est celle qui fait que vous allez y arriver. Donc, je vous demande de venir ici dans ces masterclass avec cette même motivation. Soyez engagés, posez-moi des questions, faites-vous coacher. Je suis ici pour vous coacher. Je vais prendre le temps de répondre à vos questions et de vous coacher comme je coache mes clientes. Donc, ne soyez pas timide, on est à la maison, parlez-moi. Parlez-moi, posez des questions, faites-vous coacher. Parce que si vous allez voir que vous pouvez avoir des résultats rien qu'avec le contenu gratuit que je vous donne aujourd'hui, imaginez ce qu'on peut faire quand on travaille ensemble. Donc le but, profitez de cette opportunité. Ne laissez pas que ce soit quelque chose qui va rentrer dans votre cerveau et va sortir. Et je vous dis tout ça parce qu'aujourd'hui, je vous parlerai beaucoup de vos résistances et je vous parlerai beaucoup de votre cerveau. Parce qu'une fois que vous comprenez comment fonctionne le cerveau et que je ne comprends pas pourquoi
personne ne nous l'enseigne. Pourquoi on nous enseigne ça pas à l'école? Alors vous allez comprendre pourquoi vous êtes en train de bloquer, qu'est-ce qui est en train de bloquer et comment faire fonctionner les choses. Mais soyez engagés dans cette formation. Soyez là avec moi, prenez des notes, posez des questions. Si vous le voulez à 10 sur 10, 20 sur 10, 2000 sur 10, ayez cette attitude-là d'engagement, ayez cette attitude-là de « je le veux et je le démontre ». Parce que vous êtes responsable de votre vie et être responsable de votre vie, ça veut dire « je suis créatrice ». 100 sur 10, j'adore cette énergie. Super, donc, ça c'est mon histoire. C'est mon histoire avec mon accent, mes erreurs de grammaire, mes erreurs de prononciation, avec le fait que parfois je fais des vidéos en pyjama, je fais des vidéos en tenue de yoga, je coach mes clientes décoiffées. Je suis qui je suis et je n'ai pas dû me créer quoi que ce soit pour réussir dans cette entreprise. Je l'ai fait en étant moi. Et c'est exactement à partir de cette... mon assistante qui m'écrit, de cette première chose-là que je vais parler aujourd'hui, ok? Il y a trois choses super simples pour pouvoir vous créer la vie que vous désirez et l'entreprise que vous désirez. Sauf que votre cerveau, bien évidemment, va vous faire croire que c'est super compliqué. Parce que vous voyez des stratégies compliquées, des tunnels de vente, des pages de capture, les liens, le machin, et la publicité Facebook. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Pour réussir, j'ai besoin de maîtriser tout ça. Pour réussir, j'ai besoin d'avoir une cible précise, un avatar, un message, un positionnement, un branding, des couleurs. Vous croyez? Parce que votre cerveau veut vous le faire croire, parce qu'il appuie sur une blessure, et je vais vous parler de ça, que ça, c'est important. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce que ça va définir votre identité. Ça va définir qui vous êtes. Ça va vous protéger. Ça va vous donner de la reconnaissance, une valeur. Ça va appuyer sur des blessures d'enfance. Reconnaissance, besoin d'être vu, besoin d'être validé, besoin d'être écouté. Donc, vous voyez tout ça dans les réseaux sociaux. Vous voyez plein d'entrepreneurs qui vous disent « Oui, il te faut une image de marque. » Il te faut une couleur, il te faut un branding, il te faut une police, il te faut une image de professionnel, il te faut la page de vente. Et vous voyez en face de vous une montagne, dites-moi si vous vous reconnaissez dans ça, et vous dites, ben, en fait, il me faut apprendre ça, il me faut faire ça, mais ça semble hyper compliqué. Et bien sûr que ça semble hyper compliqué parce que votre cerveau veut vous faire croire que c'est super compliqué. Parce que si on croit que c'est super compliqué, qu'est-ce qui se passe? On reste dans notre zone de confort. Et votre cerveau veut que vous restez dans votre zone de confort. Pourquoi? Parce que comme ça, elle protège cette identité. Je vais vous parler plus spécifiquement de comment fonctionne le cerveau parce que si vous comprenez votre mécanisme, vous pouvez le débloquer. Et si vous le débloquez, vous commencez à mettre en place les seules actions qui vraiment vous amènent les résultats. Et du coup, vous allez vous créer cette entreprise que vous désirez. Effectivement, oui, c'est ça, je suis submergée. Ouais, exactement. Quand moi j'ai découvert cette coach qui m'a enseigné ces trucs qui franchement sont tellement évidents, ça a été hyper vite. Mais pourquoi c'était hyper vite? Parce que j'ai travaillé sur mon cerveau, je fais les travaux intérieurs. Je suis en pleine dans ça en ce moment, bordurier, image de marque, identité, entreprise, blablabla. Oui. Est-ce que vous avez vu que mes posts sont des posts écrits avec les notes de mon téléphone? Quand j'ai envie, quand ça me met en joie, je fais un visuel. Quand j'ai envie, je fais... Mais sinon, simple. Je donne de la valeur parce que ce que les gens vont retenir de ce qu'ils voient, c'est mes contenus. Ce qui compte, c'est mes contenus. Si moi, je démontre que ce que je donne est de grandes valeurs, c'est ça qui fait faire que les bonnes personnes que je vais attirer vont travailler avec moi. Et pas celles qui sont forcément attirées par le bling-bling. Non, celles qui vraiment lient mes posts, celles qui vraiment écoutent ce que j'ai à dire et qui trouvent de la valeur dedans parce qu'elles disent « Waouh !» On dirait qu'elle lit dans mes pensées. On dirait que Claudia peut m'accompagner. C'est ça que vous voulez. Vous voulez cette typologie de clients-là. Alors dites-moi en quoi décider les codes couleurs de votre charte graphique va vous apporter des clients. Les gens ne vont pas venir à vous pour ça, à moins que vous êtes des illustratrices ou graphistes ou décoratrices d'intérieur. Alors oui, dans ce cas-là, la beauté peut avoir un impact sur votre entreprise, mais sinon, à quel point c'est vraiment important. Mais j'ai divagué. On va y arriver à tout ça. Les trois étapes que je veux que vraiment vous appreniez ici. Et je vais vous parler aujourd'hui de ça et on continuera dans les prochains jours. On va parler plus en profondeur, on parlera des ventes. Je sais, je suis en train de vous tenir comme ça. Allez, Claudia, dis-nous. Je vais arriver. La première est rencontrer un maximum de personnes. C'est hyper simple. Connecter avec les gens. Pensez-y. Dans la vraie vie,
combien de gens vous rencontrez tous les jours? Ou la possibilité de rencontrer des personnes tous les jours. Ne pensons pas quand on était confiné. Mais normalement, je prends le métro, je vais dans une cafétéria, je vais me balader dans un parc, je parle avec la voisine, je parle avec la fille de la voisine, je parle avec le boulanger. Si vous considérez que toutes ces personnes-là sont des possibles clients, si vous, seulement vous vous ouvrez ici et vous décidez d'être vraiment connecté avec les gens, vraiment connecté avec les gens, les clients sont partout. Notre but ici, puisqu'on est dans le digital, c'est de reproduire cette chose qu'on peut créer dans le réel, dans le digital. C'est très simple. Claudia, mais non, c'est pas simple. On va y arriver à la partie de vous qui dit ça. Je vais y arriver. Aujourd'hui, je vais vous faire faire... Ok? C'est simple. Là, je peux aller parler à l'énergie de miel. Je ne sais pas comment tu t'appelles. Bah, je vais te contacter après. Je t'ai dit, ah, salut, j'ai vu que tu étais dans mon live. Alors, est-ce que ça t'a plu? Comment tu l'as senti? Est-ce que tu as eu des déclics? Et puis, je peux peut-être parler avec l'autre fille qui m'a commenté le post hier. Et puis, peut-être, je vais parler à cette fille que j'ai rencontrée l'autre jour quand j'étais dans un restaurant vegan. Et puis, peut-être, je vais parler... Et ça se trouve qu'on a le même intérêt. Et ça se trouve que... Il y a une belle conversation et ça se trouve que je l'invite à prendre un appel avec moi parce qu'elle m'a dit wow, « Waouh, tu sais, ça m'a beaucoup aidé, c'est exactement sur ce quoi je blogue. » Ah bon? Écoute, je sais qu'est-ce que ça veut dire, tu l'as vu, tu l'as écouté dans mon live. Est-ce que ça te dit si on prend un appel? On prend un appel, on échange et on va voir à partir de là. Ah ouais, ok, bah super. Et dans cet appel, elle goûte comme vous êtes en train de goûter là avec moi dans ces 3 jours. Qu'est-ce que ça veut dire être coaché par moi? Qu'est-ce que ça veut dire travailler avec moi? Qu'est-ce que je fais en vrai? Je suis connectée avec les gens. Mais non, ça doit être compliqué parce que l'offre de manager. Qu'est-ce qui le rend vraiment compliqué? Notre cerveau. Notre cerveau. Ok, mais ça, je le sais, Claudia, que c'est mes peurs, mes insécurités. Vous, oui, vous le savez, mais vous n'avez pas compris comment fonctionne votre cerveau. Et la seule raison pour laquelle vous continuez dans ces peurs, des insécurités, croyances, chat, c'est pourquoi? Parce que personne ne vous a jamais montré comment est-ce que ça fonctionne mon cerveau et comment je le reprogramme. Et c'est tout le but de travailler avec moi. Parce que ce qui m'a amené là où je suis, moi comme tout un tas d'autres entrepreneurs, ce n'est pas mes actions qui sont imparfaites. C'est qui je suis, le travail intérieur que j'ai décidé de faire avec moi, le fait que j'ai décidé de vivre une vie en conscience, le fait que j'ai décidé de m'améliorer en tant qu'être humain tous les jours. Je fais toujours la même stratégie. 3 jours de masterclass. Et vous savez combien ça m'apporte ces 3 jours de masterclass à la fin de chaque lancement. Et je vous enseignerai à faire des lancements dans mes programmes. Au moins 20 000, 40 000 euros par lancement. Oui, j'investis des publicités Facebook, bien sûr. Et on peut parler de ça aussi. Mais au début, je n'avais pas l'argent d'investir dans la publicité Facebook. Alors, comment on fait? J'ai connecté avec les gens et j'ai mis en place des stratégies qui me permettaient de me rendre plus visible pour connecter avec les gens. Exemple, j'avais contacté, peut-être vous la connaissez, Jenna Blossom. Au début, je l'avais contactée quand j'ai commencé. Elle m'écrivait un mail écrit avec tout mon cœur en lui disant « Salut Jenna, je te suis depuis un peu. Tu sais, j'aimerais qu'on fasse quelque chose ensemble. Moi, je coach les entrepreneurs. Est-ce que tu as envie de faire quelque chose ensemble ?» Blablabla. Elle m'a dit « Oui, super !» Elle a aimé mon énergie. Elle n'avait jamais fait quelque chose avec personne avant. Mais là, avec moi, elle a senti, elle a dit « Oui, Claudia, oui. » Et du coup, on a fait un webinaire ensemble. Donc, des personnes qui étaient dans sa communauté ont commencé à me connaître. Il y a encore plein de gens qui m'ont connue à cette époque-là, ici. Et du coup, ils ont commencé à vouloir travailler avec moi. Et comme ça, je fais plein d'autres stratégies de partenariat, plein de choses que je vous enseigne dans ma business school. Et ce sont des actions tellement simples. Vous n'avez pas besoin de publicité Facebook. Vous avez besoin de juste de penser comment est-ce que je vais rentrer en contact avec cette personne que je sais que je peux aider. Elles sont où? Elles sont où? Quels sont leurs intérêts? Comment je rentre en contact avec elles? Mais vous ne le pensez pas. Ou alors, si vous le pensez, vous commencez à bloquer. Pourquoi? Parce que votre cerveau veut vous protéger. Parce que vous avez peur. Allons voir comment fonctionne notre cerveau avant de passer aux autres étapes. Vous avez, comme tous les êtres humains,
une partie de votre cerveau. Et je sais que mes clientes qui sont là l'ont écouté plein de fois, elles veulent le réécouter. Mes clientes viennent à réécouter mes masterclass à chaque fois, encore et encore, parce qu'elles le savent que ça va les aider à se détacher de leur cerveau. Pourquoi? Parce que la répétition dans ce que je suis en train de vous dire est clé. Pourquoi? Parce que votre cerveau veut que vous oubliez. Parce qu'il veut vous protéger, il fait des résistances. Donc, c'est pour ça qu'un accompagnement plus long, ça sert à vous et à vos clients. Et c'est pour ça que quand vous vendez vos accompagnements, vous ne pouvez pas vendre un accompagnement one shot. Ayez le courage de vendre un accompagnement long parce que c'est là que les choses vont changer. Ma business school a accès à vie. Ça veut dire que vous venez vous faire coacher à vie. Pourquoi? Parce que c'est un travail qui est par répétition. Je sais que si vous continuez à venir là, vous allez réussir. Or, bon, donc, la partie primitive de notre cerveau est cette partie-là que quand on vivait encore dans les forêts, elle voulait nous protéger de ce qu'elle croyait être un possible danger. Donc, un animal qui pouvait nous manger. Aujourd'hui, dans cette société dans laquelle on n'est plus en danger de cette façon-là, n'est-ce pas? Donc, on n'a plus besoin de se protéger comme ça. Pourtant, ce mécanisme primitif dans notre tête, il est encore là. Donc, on a peur de s'exposer, on a peur d'être vu, on a peur de prendre notre place, on a peur de trop... je sais pas, d'être rejeté, d'être jugé. Pourquoi? Parce que ce sont toutes des choses qui vont faire que si moi je suis seule, exclue par le groupe, je vais mourir. C'est comme ça en tant qu'animal qu'on fonctionne. Je ne peux pas survivre en tant qu'animal seul. J'ai besoin de groupe. Donc tout ce qui peut challenger ou mettre en insécurité mon système en disant je peux être seule et du coup mourir, ça va me faire rentrer en réaction. Mettez dedans vie passée, mettez dedans le fait qu'on est des femmes, mettez dedans l'inconscient collectif, donc tout le programme de la société qui dit il faut être comme ça, pas comme ça, il faut que tu fasses ça, pas ça, si tu fais ça alors tu vas réussir, il te faut être une entrepreneuse à succès, il te faut montrer que tu es riche, il te faut montrer en tant que professionnel, ne parle pas trop comme ça, ne peux pas... L'illusion de la peur du manque, l'illusion du manque créée par la société. En tant que femme, combien de femmes dans notre passé, on était tués pour prendre leur place. Et certains d'entre vous portent ces mémoires. Donc, qu'est-ce qui fait que notre système nerveux va en réaction, causé par notre cerveau? Imaginez tout simplement ça. Quand j'étais petite, pendant un cours de maths, j'étais en train de faire un travail, à le truc. Et du coup, à bout d'un moment, tout le monde a commencé à rigoler de moi. J'ai commencé à trembler, j'ai commencé à transpirer, je me suis fait pipi dessus. Du coup, aujourd'hui, pour moi, parler en public, ça représente un trauma. On a des blessures, on a des traumas, on a des croyances. Et tout ça sont des choses que si on ne les considère pas, parce qu'on est juste en train de parler des stratégies, le business, c'est des stratégies. Le business, c'est des relations. Et si nous, on n'a pas soigné la relation primaire avec nos parents, donc quand mon père, le besoin d'être vu est validé par mon père, et du coup, le besoin d'être vu validé par les réseaux sociaux, par les likes, et du coup, je souffre à chaque fois que je ne suis pas vue, que je n'ai pas de likes, que je ne suis pas aimée, pas reconnue, que je ne fais pas d'argent, que les clientes me disent non. Tout ça sont les choses qu'on a besoin de soigner. Toutes ces choses-là qu'on a vécues. Qu'est-ce qui se crée dans notre cerveau? Notre cerveau fonctionne à la perfection. Il enregistre des données et il les répète. Il se dit, si j'ai vécu ça dans le passé, ça veut dire que très probablement, c'est ce que je vais revivre aujourd'hui. Donc aujourd'hui que je suis en train de m'exposer dans les réseaux sociaux, lorsque j'ai en tête la voix de mon père qui me dit « t'es nul, t'es bon à rien », je veux le revivre. Aujourd'hui que je suis en train de décider de faire plus d'argent alors que mon père ne m'a jamais donné de l'argent. Ou alors aujourd'hui que je suis en train de prendre ma place alors que ma mère, quand elle était activiste, elle a, je vous parle des exemples de mes clientes, elle a été tuée à cause du fait qu'elle a pris trop de place dans la société. Et là je suis en train d'aller peut-être un peu à l'extrême, mais peuvent être des choses tellement plus petites. Parce que un trauma, que peut-être on peut penser qu'un trauma c'est quelque chose de très grand. Un trauma, c'est juste une information trop forte et trop soudaine pour notre système nerveux pour la digérer. Et donc, à chaque fois que dans ma vie d'adulte, je revis une situation qui me rappelle ces situations passées, je vais en réaction. Qu'est-ce que ça veut dire en réaction? Soit je fuis, soit je bloque, soit je vais en lutte. Combien d'entre vous se trouvent à procrastiner?
Vous savez que vous devrez faire ce post, ce live, cette action, mais vous procrastinez. Combien d'entre vous se trouvent à faire plein d'actions? Plein d'actions, on a travaillé 8 heures et rien ne se passe et vous êtes comme ça, ah, dans le contrôle, dans le contrôle, dans le contrôle. Pourquoi je ne vends pas? Pourquoi je ne vends pas? Vous pensez, vous pensez, vous pensez, vous essayez, vous faites un post, un autre post et rien ne se passe. Combien d'entre vous bloquent? Freeze. Ils n'arrivent pas, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas sur quoi communiquer. Qu'est-ce que je pourrais dire? Qu'est-ce que je ne pourrais pas dire? Chacun d'entre nous est passé par là, par l'un des trois ou par les trois de temps en temps l'un ou l'autre. C'est normal, c'est notre système nerveux en réaction. Mais si on ne le connaît pas, parce que personne ne nous l'a dit que c'est normal et qu'il y a une façon de pouvoir le régulariser et le débloquer en ayant reconnaissant qu'est-ce que notre cerveau est en train de faire. Et du coup, comment agir sur notre système nerveux? Et du coup, peu importe les stratégies que vous allez mettre en place, le tunnel des ventes, les publicités Facebook, le mail, ça ne fonctionnera pas. Et je l'ai vu, je l'ai testé sur moi et sur mes clients. Ils mettent en place des stratégies, des mastics. Ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que le travail est fait à l'intérieur. J'ai des clientes qui insistent trop, qui sont trop dans le contrôle, et j'ai des clientes qui bloquent complètement par la peur d'être vues. Chacun d'entre nous a ses choses à voir. Quel est le problème là-dedans? C'est qu'il y a une chose qui aujourd'hui va vous libérer, mais vous n'allez peut-être pas l'entendre, la comprendre comme il faudrait aujourd'hui. Ça va prendre un peu de temps parce qu'encore une fois, votre cerveau veut vous protéger et ne veut pas entendre ce que je vous dis. Vous êtes un peu en train de détruire l'ego. Vous savez qu'est-ce que c'est la mort de l'ego? Ça commence par ces notions-là. Et votre cerveau ne veut pas parce que son but, c'est de défendre l'identité qui s'est créée à l'âge de 2 ans. À l'âge de 2 ans, j'ai formé l'identité de Claudia. Et donc Claudia, qui aujourd'hui parle 4 langues, qui est entrepreneuse, machin, ça c'est pas moi, c'est mon identité. Ce que je suis, c'est tellement plus que ça. On est beaucoup plus que ça. On est âme dans une expérience humaine. Mais le cerveau veut défendre cette identité Claudia. Donc quand quelqu'un me met un commentaire méchant, ah c'est à propos de Claudia. Quand quelqu'un me fait un compliment, ah c'est à propos de Claudia. Quand tout ce qui est, tout tourne autour de cette identité, de cet ego. Nous, ce qu'on est en train de faire, c'est de détruire tout ça. Et donc, le cerveau fera, non, résistance. Et c'est pour ça que ce travail extraordinaire, merveilleux, et qui va vraiment vous amener à vivre une vie en conscience dans votre business et en général. Donc, la chose que j'ai dit à mes clientes est d'observer ça. Vous n'êtes pas votre cerveau. L'activité cérébrale, l'activité de votre cerveau sont les pensées, les émotions et les habitudes qu'il crée. Mais ça, ce n'est pas qui vous êtes. Ça, c'est juste une réaction, donc la partie primitive de votre cerveau, cette chose-là qui se crée dans le but de vous protéger. Donc, pas seulement cette voix-là des jugements, des comparaisons, la voix qui vous dit « je n'y arriverai pas, je ne vais pas réussir ». Si vous ne la reconnaissez pas, vous ne comprenez pas comment il fonctionne, et c'est pour ça que j'ai créé des cours entiers sur ça, vous vous faites guider par ça. C'est comme donner le volant de la voiture à un enfant de 3 ans. Et on n'est pas conscient que c'est un enfant de 3 ans qui est en train de conduire. Donc à chaque fois que je rentre dans un programme, dans une formation, je rentre enthousiasmée, combien d'entre vous se sont retrouvés à prendre un accompagnement avec quelqu'un, être enthousiaste, comme dire « ah oui, ouais », et puis à moitié, il commence « Ah non, mais je ne vais pas réussir, et puis ça, et puis l'autre, je suis passée. » Je suis passée, c'est autre chose que le cerveau le croit. Il me faut être plus. La comparaison. Il dramatise tout. C'est terrible. Tout est à propos de l'identité, le moi, le personnage. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous proposer d'observer ça. Vous n'êtes pas l'activité de votre cerveau. Ça, c'est normal. Mais notre travail, c'est celui de l'observer et de se détacher avec la conscience qui l'observe et qui dit « Ah, j'étais en train à nouveau de me croire mon cerveau. » Ou « Je crois de ne pas être légitime. J'ai cru à nouveau être mon cerveau. » « Oh mon Dieu, j'ai cru de ne pas réussir. J'ai cru être mon cerveau. » « Oh, je suis entrée dans ce programme enthousiaste et puis à moitié, j'ai cru que ce n'était pas le bon programme, ce n'était pas la bonne coach, ce n'est pas les bonnes personnes autour de moi dans le groupe. C'est encore mon cerveau. » Si moi je considère que tout ce qui se sent différent de la paix, de la calme, de la sérénité et tout mensonge de mon cerveau, là je reviens dans ma vérité. Ce que nous sommes vraiment, c'est cet état dans lequel nous étions quand on était enfant. Vous savez cet état de présence, on nous mettait là, on jouait avec un jouet pendant des heures,
il n'existait que le moment présent. On n'avait pas la capacité cognitive pour observer nos pensées, observer nos émotions. Non, tout nous traversait. J'étais heureuse, et puis j'étais pleurée, et puis j'étais heureuse à nouveau, et puis je pleurais à nouveau. Pourquoi? Parce que vous savez pourquoi les gens disent autant de méditer? La méditation, c'est justement être dans cet état de non-pensée, être dehors du cerveau. Être dehors du cerveau, ça veut dire que je me reconnecte avec mon âme, avec ma vérité, avec qui je suis vraiment. Tout ce qui est différent de la paix, de la clarté, ce n'est pas vous qui parle, c'est votre cerveau. Ça, c'est un mensonge, une illusion. Il veut vous faire croire ça. La phrase que je répète à mes clientes est « Je ne suis pas la météo, je suis le ciel ». Donc la météo, c'est l'activité de votre cerveau, c'est les nuages, c'est les émotions, les pensées, les peurs, les insécurités. Mais quand vous commencez à regarder juste au bord de ces nuages, vous commencez à voir que vous êtes le ciel et vous avez toujours été le ciel. Cet état de paix est toujours à votre disposition, est toujours là, mais vous croyez votre cerveau. Je ne peux pas réussir, je n'y arriverai pas, pour les autres c'est facile, pour moi non. Non, ça ne peut pas être si simple comme Claudia le dit. Bien sûr, il veut remettre en cause tout. Bien sûr, il veut vous faire croire « Attends une seconde, mais est-ce que... » Combien de fois dans mes publicités Facebook, il y a des gens qui disent « Ben, ouais, une arnaque. » Et je leur dis « Bien, bien, avant de me dire que c'est une arnaque, viens dans ma masterclass, viens faire un coaching avec moi, viens tester. »« Ouais, bien sûr que tu veux que je... » Normal. « Ok, c'est parfait, c'est son cerveau. » C'est juste ce que le cerveau a fait. Mais on n'est pas ça. Quand on commence à reconnaître qui on est vraiment, on commence à arrêter d'agir à partir du cerveau et on commence à arrêter d'être en réaction au cerveau. J'ai coaché Charlotte tout à l'heure. Charlotte, t'es là, je t'ai vu. Et bon, nous aussi, les femmes, on va à travers tous nos cycles, non? Le cycle menstruel, il compte énormément. Donc, à ces moments, avant les menstruations, on est... C'est tout l'inconscient qui vient. Et à ces moments-là, on est dans notre tête. On est dans le cerveau, on est dans le pensée. Et on va réaction. Donc, on arrête de faire les actions qu'on sait qu'on devrait faire pour notre entreprise. Donc, connecter avec les gens, s'exposer, se rendre visible, faire des actions. Et on arrête de les faire, pourquoi? Parce qu'on va en réaction à une émotion. Plutôt que juste dire, ok, c'est mon cerveau, oui. Je vais dans le cours de Claudia, j'apprends à régulariser mon système nerveux. Je me rappelle de ce qu'elle dit Claudia. Je réécoute l'audio de Claudia qui dit que je ne suis pas le cerveau. Je reviens en paix parce que je suis en train de me détacher. Ok, je continue à faire les actions, c'est pendant l'émotion. Vous n'arrêtez pas de vous brosser les dents parce que vous êtes triste, parce que vous êtes énervé. Vous continuez à faire ces actions. Alors pourquoi vous arrêtez de faire les actions pour votre entreprise? Non, mais tu sais, c'est que je suis trop triste pour faire un live. Là, j'ai une infection urinaire en ce moment qui est en train de durer en éternité. Et je pourrais croire à tout ce que mon cerveau me dit. Ah, mais non, mais comment tu vas le faire? Mais comme ça, non, 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 non. Neutralité. Les circonstances sont toujours neutres. C'est que moi, je décide de quoi vrai vis-à-vis des circonstances, pas les définir. Oui, j'écoute mon corps, bien évidemment, je prends soin de l'humain, mais en même temps, toute la signification que mon cerveau veut mettre autour de l'événement, c'est juste mon cerveau. En réalité, tout va bien, je suis en paix. Donc, je ne fais pas les réactions. Les actions et réactions, l'émotion. Ah oui, je suis insécure, du coup j'arrête les lives, j'arrête les masterclass, j'arrête de connecter avec les gens. Non, je le fais même si je suis triste, je le fais même parce que c'est juste mon cerveau, ce n'est pas qui je suis, c'est juste la voix derrière. T'inquiète, je t'écoute, je t'aime. Mettons de l'amour dessus et continuons à faire ce qu'il y a à faire. Ça, c'est tellement simple, pourtant c'est aussi difficile, dans le sens qu'on est programmé par notre société à être ici. Aller en Inde, c'est pas comme ça. Mais dans notre société, c'est plus je suis dans mon intellect, plus je réussis. Il me faut analyser, il me faut penser, il me faut réfléchir pour avoir les résultats. Ce n'est pas vrai. Il me faut être en clarté. C'est dans le non-penser. Notre cerveau devrait être au service, à notre service. Qu'est-ce que ça veut dire? Que je l'utilise pour créer mes posts, créer mes publicités, créer la stratégie. Les minimums de stratégies que j'ai, c'est-à-dire j'ai une business school, j'ai une académie de la vie, j'ai des masterminds, j'ai la formation pour devenir coach et j'ai mes retraites. Ça, c'est ma... Là, je suis en train d'utiliser mon cerveau, donc mon masculin, si on veut l'appeler comme ça, qui est focus pour ces actions-là. Mais après, il me sert qu'à ça, mon cerveau. Il est à mon service. Einstein disait ça. Cette partie de nous devrait être à notre service. Mais il devient ce qui nous dirige. Alors que la partie qui devrait nous diriger, c'est notre cerveau intuitif.
ne l'utilise pas. Mon but, c'est de vous faire comprendre qu'à chaque fois que vous vous sortez de là, vous revenez en clarté. Et quand vous êtes en clarté, dans la joie, dans l'amour, vous avez envie de créer votre business, vous avez envie de jouer avec l'expérience humaine et vous avez envie de jouer à l'entrepreneuse. Si moi, je vous demande quel personnage, quelle typologie d'entrepreneuse vous voulez jouer, comme vous, quand vous étiez petite, quelle entrepreneuse j'ai envie d'incarner. Aujourd'hui, ma cliente m'a dit souveraine, confiante, calme. Jouons à ça. Si tu fais partie de tes émotions à partir de ça, à partir de cette énergie-là, qu'est-ce que tu ferais? Quel poste? Quelle communication? Quel service? Quel prix? Quelle couleur? Mais du coup, ça devient un jeu. Ça ne devient pas « Oh mon Dieu, je dois le faire parce que sinon, je ne suis pas assez c'était pas reconnue. » Par là, du coup, je suis... Qui veut vivre un business comme ça? Autant revenir l'employé de quelqu'un que moi, je n'ai pas à prendre toutes ces décisions. Mais non, vous êtes ici pour vous amuser avec cette expérience. Donc, jouons. Mais quand on est ici, c'est difficile. Revenons. Donc, comprendre comment fonctionne votre cerveau, le mécanisme du cerveau est tellement important parce que plus vous le répétez, plus vous reprogrammez. Qu'est-ce que ça veut dire reprogrammer? Que de plus en plus, je vois le personnage. Oh, je me suis cru à nouveau le personnage. Je ne suis pas mon identité, je ne suis pas mon cerveau. Je suis âme sur terre, je suis conscience universelle, je suis le ciel. Je peux tout. À chaque fois que mon cerveau me fait croire le contraire, je suis déjà en paix, j'ai déjà tout ici et maintenant. Je ne serai pas plus heureuse quand j'aurai l'argent, quand j'aurai les clients, quand j'aurai les réseaux sociaux. Je suis dehors quand je fais ça, je suis dehors de moi-même. Je suis en train de donner mon pouvoir à l'extérieur alors que la seule chose qui peut me rendre heureuse, c'est moi. Avec mes pensées, je choisis de revenir en paix. Et c'est un choix et c'est une question de discipline. À quel point vous êtes décidé de prendre ces responsabilités de vous aujourd'hui? Je décide aujourd'hui de devenir responsable de moi et faire des pratiques qui m'aident à revenir à moi, de me sortir de là, d'apprendre comment fonctionne mon système nerveux, comment fonctionne mon cerveau et d'apprendre qu'est-ce que ça veut dire revenir en paix. Parce que si je veux me créer un business, je veux le créer de cette façon-là. Parce que je vous assure, j'ai fait l'argent avant de comprendre les notions que je vous ai enseignées aujourd'hui. Parce que c'était simple. J'ai commencé à me croire, ah voilà, je fais ça. Oui, c'était en question d'échanger mes pensées. Mais j'étais encore très dans ma tête. À quoi ça nous sert d'écrire tout ça si on est tout le temps ici? Là, je suis alignée. Parce que ça vient plus d'une blessure. Ça vient plus d'une blessure. Donc, quelle est la deuxième étape? Est-ce que jusqu'à là, vous me suivez? Est-ce que vous avez des questions? Je me sens si seule dans mon activité. Viens dans la business school. On est nombreuses. Quelle est l'idée qui génère de la peur? Mais comment connecter quand ton audience est principalement dans le même domaine que toi et qu'elle propose des offres avec les mêmes outils? Fais-moi un exemple, explique-moi, Flora. Et qu'elle propose des offres avec les mêmes outils. Par exemple, je suis entrepreneuse et je coach des entrepreneurs. Donc, quel est, à ton avis, dis-moi plus pour m'expliquer. Oui, pareil. Comment connecter quand on n'a que des personnes dans notre domaine qui utilisent les mêmes méthodes? Comment trouver des clients via Instagram? Dites-moi, quelle est la chose qu'exactement vous faites? C'est-à-dire, quel est le message, le pourquoi de votre travail, la mission? Quel est le résultat que vous amenez avec vos services? J'ai acheté votre formation, ça m'a beaucoup aidé. Ah, ça me fait plaisir. Hello, Nathalie! Oui, ils sont toujours là. Absolument, je regarde régulièrement cette masterclass, ça m'a fait toujours du bien et de réviser la base et je l'intègre de plus en plus. Voilà. Oui, j'ai besoin de réentendre et c'est que je connais grâce au masterclass car en ce moment, mon mental reprend le dessus, même si j'en génère conscience. Que c'est normal, on le fera tout le temps. Surtout nous, les femmes, je vous ai dit, on est cyclique, donc il y a des moments dans lesquels on est plus dans notre tête. Mais si on a les outils qui nous gardent solides en nous, on reste solide. Est-ce que vous avez les outils? Est-ce que vous êtes en train de faire le travail? Magnifique. Hello, hello tout le monde. Donc, parlons de la... Jusqu'à là, vous me suivez? Comment on peut reprogrammer alors? Je vais y arriver.
je vais y arriver, blablabla. Ok, human design, j'ai beaucoup de consoeurs qui me suivent, mais pas des clients potentiels. Qui sont, alors, dans le human design, si je disais ça à ma cliente l'autre jour, vous pouvez aider plein de personnes, vous pouvez aider tous les humains. Alors la question est-ce que tu veux aider effectivement tous les humains, donc tu ne veux pas forcément te définir avec une cible, ou alors tu as à cœur en particulier certaines typologies d'humains. Imaginons les mamans. Moi, je vais aider vraiment les mamans. Alors moi, je vais aider vraiment les professionnels. Alors, fais-toi une communication qui est plutôt dirigée pour les professionnels qui sont dans le human design. Ou alors tu veux aider les mamans. Bah, parle des problématiques des mamans et comment le human design aider dans ça. Si tu veux aider tout le monde, ben, du coup, tu parles à tout le monde dans le sens que comment le human design t'aide dans chaque sphère de vie. Mais parle par problématique. Imagine une personne qui, je suis perdue dans mon identité, je ne sais pas qui je suis. La meilleure chose, Flora, c'est que tu regardes en quoi le human design t'a aidé à toi. Parce que là, tu parles du vécu, tu parles par expérience et tu sais comment aider exactement sur ça. Ok? J'aimerais être plus en joie et avoir plus de clients qui veulent prendre soin d'eux, mais ma mission est portée du mieux-être à l'amour afin d'activer le propre potentiel d'auto-guérison. Je veux que vous compreniez une chose super importante. Aujourd'hui, ma cliente, elle m'a dit « Ah, j'en ai marre, ça me saoule, je n'arrive pas à avoir les clients que je veux dans mon groupe. Je vais en coaching de groupe, mais je n'ai qu'une personne et à chaque fois, ça ne fonctionne pas, ça me saoule. » Alors, je lui demandais ça. Quelle est l'émotion que tu crois pouvoir ressentir une fois que ce groupe est rempli? Elle me dit, ah, fierté, joie et accomplissement. Et je lui dis, donc ton cerveau est en train de te faire croire que si tu n'as pas ce groupe-là, tu ne peux pas ressentir accomplissement, joie et fierté. Ah, c'est une illusion. Aucune chose de l'extérieur peut vous permettre de ressentir des émotions. Qu'est-ce que je vous ai dit? Tout est neutre. Avoir des personnes dans mon groupe, neutre. C'est ce que moi je crois vis-à-vis de chaque circonstance qui me fait ressentir une émotion. Donc, qu'est-ce qui me fait ressentir une émotion? Mes pensées. Si moi je suis déjà épanouie, en joie, heureuse, qu'est-ce que je suis en train de communiquer dans mes réseaux sociaux? Alors, je lui dis, imagine que plutôt que cette énergie de frustration que tu ressens maintenant, qui dirige toutes tes actions, ça ne fonctionne pas. Donc, soit j'ai fait beaucoup d'actions, soit j'en fais rien. L'énergie qui était driver, qui t'est porté à faire tes publications, tes posts là, c'est une énergie d'accomplissement. Et alors tu partages comment l'autre jour tu t'es senti bien avec tes amis, tes copines, tes sœurs, et de combien tu es en gratitude pour la vie que tu as parce que l'autre jour tu as fait ça. Qu'est-ce que les gens sont en train de voir? Tu n'as même pas besoin de vraiment pousser énormément ta communication de ton groupe parce que les gens vont voir ce que tu es l'exemple de ce qui est possible et ils ont envie de travailler avec toi. Mais puisque tu crois que tu ne seras compliqué quand ça va se produire, tu n'es pas dans cette énergie. Reprenez le pouvoir, les filles. Reprenez le pouvoir dans le sens que je suis la responsable de ma vie et toute émotion, c'est moi qui me la crée. Rien de l'extérieur ne pourra jamais me donner joie, accomplissement, sécurité, soulagement et rien. Si j'avais des tâches du cerveau et des cycles en train de croire que quand j'aurai ça, je serai plus et que je l'observe et je crois que j'ai déjà tout en moi, paix, joie, amour, abondance et que je fais un focus sur les choses qui sont vraiment déjà là, qu'est-ce qui se passe dans ma communication? Les gens sont attirés par moi, pourquoi? Sur quoi êtes-vous en train de faire un focus? Et rappelez-vous, à chaque fois que votre cerveau va revenir, il va revenir. Mes clientes reviennent tout le temps dans mes coachings, tout le temps la même chose. Claudia, c'est que je n'arrive pas, ne fonctionne pas. Quelle est l'émotion que tu crois ressentir quand tu m'en diras plus? Mais du coup, fierté, sécurité, illusion. Oh oui, ok. Quelle est l'entrepreneuse que je vais incarner? Qu'est-ce que je vais vivre? Quel est le personnage auquel je vais jouer? Qui je vais être en décidant consciemment? Quand j'ai débuté, je me rappelle, j'étais à Montréal au début. Là, je suis au Mexique, mais avant d'être au Mexique, j'étais à Montréal et j'avais mon ordinateur. À l'époque, je n'avais pas du tout un iPod, j'avais un ordinateur pourri que je ne fonctionnais même pas. Et j'étais avec mon sac et j'allais dans un Starbucks et j'écrivais. Là, et je m'imaginais le jour où j'irais parler avec mon équipe en plusieurs langues, donc l'espagnol, en français. Je m'imaginais être un entrepreneur à succès. Je le vibrais, je le ressentais, j'ai joué à ça tel qu'un enfant en train de jouer à la maîtresse, au docteur.
aujourd'hui, je le suis. Je le suis devenue juste parce que j'étais en train de jouer et d'être dans le moment présent, heureuse et présente. Je le programmais dans mon cerveau. J'arrêtais de croire à tout ce que mon cerveau me disait. Qu'est-ce que ça veut dire? Que je n'ai même pas besoin d'échanger mes croyances. J'ai juste besoin d'observer que c'est juste l'activité humaine du cerveau. Mais ce n'est pas moi. Et donc, il va rester comme une petite voix en arrière-scène que je ne crois plus vraie. Mais Claudia, mais comment? Parfois, ça se sent tellement fort dans le corps. J'ai tellement peur de manquer d'argent. C'est tellement fort. Oui, oui, oui. C'est normal. Parce qu'on est en train de se croire le personnage. On est en train de croire qu'on est dedans. C'est comme si on était le spectateur d'un film, et à ce moment, on oublie qu'on est le spectateur et on se croit le personnage du film. Alors, petit à petit, grâce au coaching, grâce à ce travail, oh, attends une seconde, je te vois. Et ça devient de plus en plus simple de sortir. Plus en plus simple. C'est comme si à chaque fois vous revenez en méditation. Ah, je suis ma respiration, je ne suis pas ça. Je suis vivante, je suis ici pour me créer la meilleure expérience humaine. Et si dans cette expérience humaine, je veux me créer argent, je veux me créer mon entreprise, je veux me créer l'amour, je peux me le créer tout en sachant que ce n'est pas ça le bonheur. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas dehors, c'est à moi. Donc, ça devient un jeu. La deuxième étape, c'est de parler de ce que vous faites. Oui, je connecte avec les gens. Et du coup, je leur montre qu'est-ce que ça veut dire travailler avec moi. J'apporte de la vraie valeur. Si moi, je dis aux gens, ah oui, voilà. Et puis, par exemple, je suis une infirmière en reconversion, je vais devenir coach et je me présente à chaque fois comme infirmière. Non, je me présente comme coach parce que c'est ça que je vais devenir. Oui, mais tu sais, les gens pourraient penser que du coup, bah, je me prends pour qui? Et puis, ce n'est pas forcément vrai que je suis déjà coach. Vous ne le faites pas, pourquoi? Parce que comment les gens pourraient me prendre? Pourquoi, comment les gens pourraient me voir? Vous voulez vous protéger d'une possible émotion. Vous croyez le cerveau. À nouveau, le cerveau qui vous dit oui, mais, et je me crois à nouveau le cerveau. Je suis coach parce que ça, c'est que je suis. C'est ma mission. Même si vous ne l'êtes pas encore parce que vous n'avez pas encore des clients, vous êtes coach. Personne ne va vous dire qui vous êtes. Pas en certification, pas les autres, pas le fait d'avoir des... Vous êtes coach parce que vous les sentez dedans. Même chose, si je suis dans les réseaux sociaux, mais je poste des photos des petits chiens, petits chats, est-ce que je suis vraiment en train d'apporter de la valeur? Comment est-ce que les gens vont savoir comment travailler avec moi? Là, vous êtes en train de venir à voir qu'est-ce que ça veut dire travailler avec moi. Donc, ça, je vous l'enseigne à le faire. Comment est-ce que je vais montrer la valeur de ce que je fais? Aujourd'hui, Jade, une de mes clientes, me disait, Claudia, je vais donner des méditations, mais je ne sais pas comment les vendre. Je ne sais pas quoi dire. Ça me semble que ma communication n'est pas efficace. Elle était ici. Parce que ce n'est pas vrai. Donc, qu'est-ce que fait un coach? Je lui posais juste des questions. Alors, dis-moi, à quoi ça sert en méditation? À quoi ça sert tes méditations? Et comment ça se passe tes méditations? Donc, quels sont les résultats de tes méditations? Et là, on a tac, 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 tac. Elle avait les réponses. C'est juste qu'elle avait besoin que je lui pose des questions. Et puis, je lui dis, ok, t'as vu ça? Tu sais qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une formation en 3 jours comme les miennes, dans laquelle tu expliques pourquoi c'est super important de lâcher le contrôle et pourquoi c'est super important de méditer. Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau quand on médite? Qu'est-ce qui se passe quand on arrive dans cet état de lâcher prise? Donc, comment fonctionne le cerveau? Pourquoi de comment? Quelle est l'importance de méditer? Qu'est-ce que ça va changer dans notre vie? Et du coup, quand tu vas méditer, quand tu offres des méditations, qu'est-ce qui se passe? Ah, moi, en plus, je vais leur enseigner à se connecter parce que moi, quand je donne mes méditations, je canalise. Donc, je vais leur enseigner canaliser. Super, du coup, qu'est-ce que ça veut dire canalisation? Qu'est-ce qui nous empêche de canaliser? Comment on canalise? On fait ça sur 3 jours. Waouh, j'adore Claudia. Yes! Les réponses sont déjà là. Mais Mana, grâce à ces 3 jours de formation, va apporter de la valeur, va montrer aux personnes qu'est-ce que ça veut dire travailler avec elles. Voilà comment on peut travailler ensemble. Voilà ce que je vous propose dans ces séries de méditations qu'on va faire ensemble. Mais est-ce que vous êtes en train de montrer la valeur de ce que vous faites? Exemple, cet exemple je le mets tout le temps, vous l'avez déjà entendu, vous allez l'écouter encore. On est dans les années 40 et je suis une femme à la maison
Et il y a un monsieur qui touche à ma porte et me dit: Madame, bonjour, je voulais vous parler de cet appareil, de cet instrument super puissant qui va enlever toute la poussière de votre maison. Il fonctionne avec un moteur en quatre temps et du coup, si vous débranchez le machin du marin et du pourquoi, avec cette vitesse. Et la dame, elle vous dit: Non, merci, je ne suis pas intéressée. Puis un autre jour, il arrive un autre monsieur, il touche à la porte et dit: Madame, j'ai quelque chose pour vous qui va vous permettre de nettoyer toute votre maison en 5 minutes. Attendez, je vous le montre. Il prend le machin, il prend le truc que la dame ne connaissait pas. Un aspirateur, c'était quoi? Et il pousse, met toute la poussière par terre et il aspire en 3 secondes. Et la dame, elle dit: Je le veux. Il a démontré concrètement qu'est-ce que ça voulait dire avoir cet instrument. Est-ce que vous êtes en train de montrer qu'est-ce que ça veut dire travailler avec vous? Si moi je connais, et encore une fois, je connais avec, allez, Mylène ou Sonia, et je dis: Prenons un appel. On appelle des 45 minutes et on va voir. Tu ne me payes pas. On va voir qu'est-ce que ça veut dire travailler avec moi. Et Sonia, à la fin, je lui dis: Alors, est-ce que c'est comment ça te paraît? Ça t'a aidé? Comment tu te sens? Ah ouais, non, Claudia, en fait, waouh! C'est incroyable, j'avais pas vu ça, ça m'a permis de voir ça. Qu'est-ce que Sonia est en train de voir? Qu'est-ce que ça veut dire travailler avec moi? Et ça, c'est rien qu'un exemple. Imaginez combien de personnes vous avez dans votre Instagram, combien de personnes vous connaissez autour de vous. Toutes ces personnes sont des possibles clients. Mais juste pour le fait que vous croyez que ça doit être compliqué, vous ne parlez pas de ce que vous faites, vous ne connectez pas avec cette personne de façon genuine pour qu'elle essaye qu'est-ce que ça veut dire travailler avec vous. Et demain, je vais vous débloquer sur la vente. Demain, on va parler des ventes et je vais vous débloquer toutes les idées que vous avez sur « Ouais, mais je ne veux pas paraître trop vendeuse. » On en parlera demain. Encore ici. Je vais vous changer tous ces trucs parce que ça va au-delà. Je suis praticienne en relaxation, je vais aider les femmes hypersensibles. Je n'ai que des coachs thérapeutes du bien-être, mais pas des clientes idéales. Elles peuvent être tes clientes idéales. Est-ce que tu crois que les coachs thérapeutes du bien-être n'ont pas besoin de se détendre? Toute personne qui a besoin de quoi de se détendre et peut être une de tes clientes. Explique-moi en quoi ça consiste exactement ce que tu fais. En plus, ils pourraient vouloir venir vers toi parce que ça leur donne inspiration pour leurs accompagnements. Moi aussi, j'ai un coach et je suis coach. Alors, puisque ma coach, elle a des coachs dans son Instagram, elle devrait se dire: Ah non, mais moi, je n'ai des coachs dans mon Instagram, je ne vais pas parler de ça. Et je vous assure, vous n'avez pas que ces personnes-là. C'est celle que vous voyez peut-être le plus souvent, mais vous n'avez pas que ça. Et combien de personnes vous connaissez autour? Alors, l'autre question à se poser, c'est: où elles sont mes clientes idéales? Où elles sont ma cible? Où elle est où? Elle fait quoi? Elle recherche quoi dans les réseaux sociaux? Elle recherche quoi comme contenu? Comment je peux rentrer en contact avec eux? J'ai un module qui est sur ça, sur la Business School. Toutes les choses que je suis en train de vous dire, il y a un module dédié à tout ça dans la Business School dans lequel on va beaucoup plus en profondeur. Justement, c'est ce que j'ai fait du storytelling pour expliquer transformation que ça m'a apporté. Super, continue. Donc, connecte avec les gens. Connectez, elles sont là. Il y a une personne qui vous voyez que vous aimeriez trop travailler avec elle. Il y a pas mal de personnes qui me suivent récemment que j'adorerais les coacher dans le mastermind. Ben, ça se trouve que si je vais les contacter. L'une d'elles, d'ailleurs, je l'ai contactée l'autre, il y a un mois. Je lui ai dit: Ah, tu sais, je vais réouvrir le mastermind à fin août, septembre. J'aimerais trop que tu sois dedans. Ouais, Claudia, j'aimerais trop venir. C'était déjà un peu que je voulais t'écrire, etc. Là, j'étais à maternité, donc j'ai pas pu. Super! Vous ne savez pas. Osez. Qui sont les personnes avec lesquelles vous voulez travailler? Que comment se différencier sur les réseaux? Ça devient super compliqué. Je ne me sens pas spéciale face à tous ces coachs et thérapeutes. Merci Sonia pour cette question, j'adore. Le cerveau va vous dire: tu as besoin d'être différente, tu as besoin d'être spéciale, tu as besoin d'être unique. C'est pas vrai, parce que tu l'es déjà. Si moi je regarde ta photo là, tu l'es déjà. Tu n'as pas besoin de trouver les codes couleurs, le message super différent, de te rendre spécial avec quelque chose de je sais pas qui va ressortir des autres. Tu l'es déjà. On l'est tous. Parce qu'on a une énergie. Mon énergie est différente que la tienne. Et ça me rend spécial et en même temps comme tout le monde.
vous n'avez pas besoin. Ça, c'est parce que c'est marketing que vous voyez dans les réseaux sociaux, surtout dans les réseaux sociaux, dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, ça appuie sur une blessure. La blessure de « je ne suis pas assez, je suis nulle », la blessure de « j'ai besoin d'être vue et reconnue ». Et attention Sonia, ce n'est pas du tout ce qu'est toi. La plupart des thérapeutes, des entrepreneurs, moi comprise, on a ça. Parce qu'on est des êtres humains. J'ai besoin d'être vue, j'ai besoin d'être reconnue. Et du coup, toutes ces choses-là que vous écoutez sur « be unique, little special, blablabla », ça va appuyer sur « ok, il me faut trouver un truc pour que les gens me voient parce que je ne suis pas vue ». C'est une illusion. Tu es vue, tu es vue, tu es vue, tu es vue, tu es vue. Parle aux gens comme si tu étais vue. Montre-toi comme si tu étais vue. Communique comme si tu étais vue et tu seras vue. Plus tu communiques avec l'énergie de « on me voit pas, je ne suis pas spéciale, comment je fais ?» Mais ça, c'est pas toi, Sonia, c'est ton cerveau. Juste observe-le, c'est pas qui tu es, c'est ton cerveau. Toi, t'es pas ça, toi, t'es en paix derrière. Derrière ça, tu es une partie de la conscience universelle, tu es tout. Et tu es toi. Et dans cette vie, tu es venue à faire l'expérience de Sonia dans ce corps. Merveilleux! À quel personnage veux-tu jouer? Tu n'as pas besoin de te différencier. Trouve ce qui te passionne, trouve ce qui te met en joie, de quoi tu veux parler. À quel personnage tu veux jouer en t'amusant? Ah, j'ai envie d'être l'entrepreneuse un peu beau, chic. Ma copine qui est maintenant en train de se lancer dans la sexualité sacrée, elle veut jouer un peu la partie Pocahontas, un peu très ancestrale. C'est pas qui elle est. Enfin, c'est une partie d'elle. Ce qui elle est, c'est tellement plus que ça. Mais elle a décidé de le faire avec ces codes-là, ce personnage-là. Et alors? Alors? Jouez, amusez-vous. Quelle entrepreneuse je vais être? Je vais être l'entrepreneuse. Moi, par exemple, je suis vraiment comme ça dans la vraie vie. Les personnes qui sont venues à ma retraite à Tulum l'ont vu. Je suis vraiment comme ça. Quand je vous fais des blagues, je fais mes sketchs dans mes lives. Ça fait partie de ma personnalité. Mais du coup, j'adore aussi être ça. Ça fait partie de moi. Est-ce que j'ai besoin de trouver le truc qui me différencie? Ce qui va me différencier, tu sais, qu'est-ce que c'est? C'est mon accent, mes erreurs de grammaire. Les gens me reconnaissent pour ça. Le fait que je suis hyper forte en mindset, à détruire toutes les croyances, à montrer le cerveau, à coacher. Ça, ce sont mes éléments de différenciation. Bam! Vous n'avez besoin d'être... Vous êtes assez. Vous êtes vu. Tout ce qui vous dit le contraire, c'est votre cerveau. C'est tellement ça. Merci pour ton mindset. C'est un entraînement de ressentir ce que je veux incarner dans la joie pour apporter le meilleur aux personnes qui me suivent. Oui, yeah, David. Je joue comme toi. C'est ça, je suis en sécurité. Donc, il s'agit de vivre l'émotion qu'on croit que l'extérieur va nous donner avant que l'extérieur ne change. Oui, à chaque fois que... Expliquer d'autre façon. Moi, je suis persuadée que quand je vais avoir 20 000 euros par mois, alors là, je vais me sentir en sécurité, soulagée, fière, ok? Sauf que je sais que c'est une illusion. Parce qu'aucune chose extérieure à moi peut vraiment me faire ressentir une émotion. Seulement mes pensées me font ressentir une émotion. Je suis la seule responsable de mes émotions. Donc, quand on va jouer à... Je sens déjà cet épanouissement, cette fierté et cette sécurité. Parce que ça ne dépend pas de l'extérieur. Je le sens déjà parce que je le suis, je peux me le créer. Du coup, ce qui va se produire, qu'en le vibrant, je l'attire. En étant déjà fière, confiante, sûre, qu'est-ce qui va se passer? Je le crée. Tout en reconnaissant que ça, ce n'est pas qui je suis. Ça, c'est juste mon identité. Je suis en train de jouer avec mon identité. Mais qui je suis? C'est mon esprit, c'est mon âme. C'est plus que ça. Donc, qu'est-ce que je vais ressentir consciemment plutôt que laisser le volant à l'inconscient? Insécure, pas en sécurité, triste. Quelle entrepreneuse veux-tu être? Donnez-moi 5 émotions que vous voulez ressentir dans votre entreprise. Ça, c'est un exercice que je donne dans la Business School. La Business School nous apprend tout ça. Oui, Nathalie. Ok.
Donc, je vais prendre le temps de vous coacher un petit peu en lisant vos messages avant de... Merci Claudia, tu m'éclaires. J'en suis contente. Avant de vous donner la dernière étape, tu arrives de finir ton activité simplement, toi, Claudia? Moi, ce que je fais, c'est aider les gens à reconnaître leur cerveau et le transformer. C'est connecter leur corps et c'est connecter leur âme. Or, je peux dire ça aussi en disant, je suis entrepreneuse pour le bien-être et coach de vie. Je peux dire ça en disant aussi, j'aide les personnes à reprogrammer leur cerveau. Je m'en fiche, c'est pas important. C'est pas important, vous passez tellement de temps avec votre bio d'Instagram à essayer de définir votre activité. Je dis ça ou je dis ça. Si vous regardez mes vidéos, je le dis de mille façons différentes à chaque fois. Parce que c'est pas ça qui fait que les gens vont acheter avec moi. Ah, Claudia, experte en mindset. Ah, Claudia, life business coach. Ah, Claudia, elle change, elle reprogramme le subconscient. Ah, Claudia, fait des hypnoses. Ah, c'est pas ça qui fait que vous achetez avec moi. Ce qui fait que vous achetez avec moi, c'est quand vous êtes ici et vous testez être coaché par moi. Et vous voyez comment l'énergie passe. Vous dites, Claudia peut m'aider. Parce que le contenu m'a juste changé le cerveau. Parce que son coaching m'a aidé. Parce que je veux que Claudia me coach. Parce que j'apporte de la vraie valeur. Si vous avez des résultats rien que dans mes contenus gratuits, imaginez qu'est-ce qui se passe dans le payant. C'est tout simplement ça. Donc, je ne perds pas du temps à me demander, je m'appelle comme ça, je l'explique comme ça. Peu importe. Donner de la valeur et quand vous rencontrez les gens, expliquez comment, qu'est-ce qui va se passer en travaillant avec vous en le démontrant. Vous êtes en train de faire d'avoir une conversation avec une personne que vous avez rencontrée dans un club, vous êtes en train de boire un drink et elle vous dit non parce que tu sais mon copain en fait c'est pour moi c'est terrible, moi je le déteste, j'en peux plus, et puis il m'a trahi avec... Et vous êtes coach, love coach, Nadia si tu es là tu sais. Et à bout d'un moment, oh, tu sais, j'aide exactement mes clientes à faire ça. Explique-moi un petit peu, okay? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Ah, c'est vrai, oh, j'aurais trop besoin de love coach en ce moment, tu sais pas, c'est terrible. Oui, explique-moi. Et du coup, tu sais, l'autre jour, c'est comme ça. Tu sais, parfois, ce qu'on ne voit pas, c'est qu'on remet beaucoup de responsabilités sur l'autre et on est prête à le blâmer. Il a fait ça, il a fait ça. Mais si on regarde un peu le fait miroir que cette situation te dit, qu'est-ce que tu peux observer à propos de toi? Ah, je ne l'avais pas vu comme ça. Oui, c'est vrai que j'ai la tendance à m'abandonner, à lui demander à lui d'être responsable de mes émotions, de me câliner, de me faire ça et d'être romantique. Mais peut-être qu'il y a quelque chose que je dois travailler en moi. Je peux t'aider. Bah, une cliente, vous ne savez pas combien de fois ça m'est arrivé. Mais est-ce que j'étais en train de perdre du temps à dire « En fait, je suis love coach pour les personnes qui sont en séparation, mais du coup, love coach signifie que je suis coach en relation, que j'aide à transformer tes pensées derrière l'émotionnel qui est dans le trauma, dans le machin. » Oh, ça fiche. Merci vraiment pour tes mots, ça fait du bien, ça soulage grave. Oui, je ne suis pas arrivée au million avec ça, je vous assure. Venez à Tulum. En octobre, je fais la retraite, j'ai refait la retraite à Tulum, si vous adorez Tulum. Donc, ce n'est pas ça qui intéresse les gens. Les gens s'intéressent si ce que vous avez dit à ce moment-là, ça les a touchés. Et ça les touchera seulement si vous sortez d'ici et vous descendez ici pour leur parler d'ici à ici. Parce que si vous parlez d'ici à ici, vous attirerez des personnes très dans le mental. Et alors, ça vous servirait de venir dans mes programmes pour apprendre à défaire les croyances des personnes qui sont très dans leur mental. C'est mon expertise. Mais, parlez de cœur à cœur. Je ne suis pas en train de... Ok, elle m'a demandé qu'est-ce que je fais dans la vie. Alors, j'avais le pitch, je l'avais écrit, mince, est-ce que j'ai dans mon sac? Je vais chercher dans mon sac parce que je dois lui dire qu'est-ce que je fais dans la vie. Alors, je suis coach pour... Détendez-vous, c'est juste votre cerveau. C'est juste votre cerveau. Laissez-le là, faites descendre, tout va bien, parlez avec votre cœur. Faites-en être dans plusieurs domaines différents. Moi, je coach les mamans, les adolescents, les femmes, je coach en relation, je coach à l'image de soi, je coach en nutrition, je coach en business. Oui, vous pouvez être dans plusieurs domaines de façon différente, du moment dans lequel le fil conducteur de ça est le même. Je parle du cerveau, je parle de l'esprit, je parle de l'âme, je parle du corps. Je travaille sur ces trois piliers aujourd'hui. Donc, vu que mon fil conducteur est toujours le même, peu importe qui, s'il s'agit d'un être humain, je peux l'aider.
Par contre, attention, je ne vais pas te mentir, je mets en pratique des stratégies une stratégie d'affaires. Ma stratégie fait qu'à chaque fois, je peux attirer ces personnes en particulier. Donc, je fais que mon message va parler à ces personnes. Si aujourd'hui, je vais parler aux entrepreneurs, ben voilà ma formation pour les entrepreneurs. Si le mois prochain, j'ai fait un masterclass pour promouvoir l'Académie de la vie, c'est mon autre programme, mais du coup, je parlerai des traumas, je parlerai beaucoup plus des systèmes nerveux, je parlerai beaucoup plus des personnes qui sont dans des schémas répétitifs dans nos relations, je les attirerai plutôt comme ça. On peut en parler dans la business school de comment voir comment tu peux faire ça. Merci Claudia, tu fais du bien à mon cœur. J'en suis contente. Joyeuse, épanouie, libre, amusée, zen, paix, amour, fierté, joie, liberté. Elles sont déjà là, ces émotions, les filles. Vous en avez accès déjà dès maintenant. Mettez-vous dans ce personnage, dans cette partie de vous qui est déjà là. Je suis dans la douceur, la puissance, la relaxation, libre, dans l'amour. Et je n'ai pas besoin de l'extérieur pour ressentir ces émotions-là. C'est pour le fait que je commence à les ressentir dès maintenant que je me crée l'expérience humaine que je veux. Joie, amour, gratitude, sereine. Yes, 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 plaisir, joie, gratitude, excitation, sécurité. Donc, qu'est-ce qui va vous permettre de ressentir ces émotions-là? C'est magique, la business school. Yes. Accomplissement, reconnaissance, amour, sérénité, joie. La pensée avec j'ai toujours du mal, c'est mes prospects ne voient pas la valeur de ce que je propose. Donc, imagine, quelle est l'émotion que tu sens à chaque fois que tu te dis ça? Frustration, tristesse, insécurité. Donc, quand je me dis ça, qu'est-ce qui se passe dans mes actions? Ça, c'est un instrument que je vous enseigne dans la business school. Il s'appelle le modèle. Pensée, émotion, action, résultat. Je suis en train de le faire avec... comment tu t'appelles? Je ne me rappelle plus. Donc, qu'est-ce qui se passe dans tes actions quand tu te dis ça? Soit je ne communique pas, soit je communique trop, mais pas avec la bonne énergie. Je suis à Toulouse. Oui, Charlotte, viens. On va faire ça pour la fête des morts. Okay, ici, c'est un grand événement. Bon, donc, continuez à envoyer vos questions. Comme ça, je vous coach à fur et à mesure. Et vous pouvez recevoir votre coaching. Et vous voyez à quel point... Sarah, c'est ça. Et vous voyez à quel point c'est super, ok? Donc, rencontrer un maximum de personnes... Connecter avec les gens, connecter vraiment avec les gens, leur dire comment vous pouvez les aider. Et donc, parler de votre offre, la troisième étape, la plus simple, mais pas simple parce que le cerveau, ah, je dois annoncer mon prix, je dois annoncer mon offre, elle va penser que je vais lui vendre, elle va me dire non, et puis peut-être que mon prix est trop cher, peut-être elle n'a pas les moyens, en tout cas les personnes n'ont pas les moyens, blablabla. Parlez de votre accompagnement, parlez de votre offre. Ça, c'est la partie dont on va parler beaucoup demain, dans laquelle on va parler aussi de comment vendre, qu'est-ce qui se passe quand on est en train de vendre, comment se défaire de toutes les pensées qui sont autour du marketing et de la vente. C'est hyper simple. Hyper simple. Mais notre cerveau veut tout compliquer. Alors là, je vous aiderai à voir ce que votre cerveau est en train de mettre en place, parce que chacun d'entre vous, même si on est presque tout pareil, vous allez vous reconnaître dans les situations de certaines des personnes qui sont en train d'écrire. Mais du coup, on va identifier ce que votre cerveau est en train de croire. Je vous aiderai aussi à faire des liens souvent avec les relations primaires que sont avec votre maman et votre papa, parfois avec votre sœur et frère. Je vous aiderai, ou en tout cas les personnes avec qui vous avez grandi et comment vous reproduisez ça dans les relations, dans le business, parce que c'est hyper puissant de voir ça. Je vous aiderai à comprendre comment du coup parler de votre offre. C'est la dernière étape. Comment? Quelle est l'énergie? Mais si tu n'es pas encore sûr de ta cible ou de ton offre, comment tu te positionnes? Tu te positionnes. C'est pas importe. Ne crois pas que j'ai eu un moment dans lequel Dieu est venu me parler. Il m'a dit, Claudia, tu seras coach pour les entrepreneurs. Vas-y. Ou alors, Claudia, même en ce moment que ma cible change un peu, Claudia, tu es coach pour les personnes qui ont vécu des traumas. Attendre que vous ayez les idées claires, c'est comme attendre de ne plus avoir un cerveau. Votre cerveau va venir vous dire, mais tu veux parler à ça ou ça? Tu veux communiquer comme ça? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. La vraie question à se poser, c'est à qui vous avez envie de parler en ce moment? Qui sont les personnes que vous avez envie de parler à ce moment? Quelles sont les choses que vous pouvez apporter en ce moment? Faites ça. Ça se trouve que d'ici un mois, ça va changer.
parce que vous avez compris que vous voulez autre chose. Mais ne vous bloquez pas en attendant qu'à bout d'un moment, vous trouverez la clarté. La clarté va venir en le faisant. Et pendant que vous le faites, peut-être que vous découvrez que c'est exactement la bonne chose et que c'était juste votre cerveau qui vous bloquait de croire qu'à bout d'un moment, il y a quelque chose de mieux. Sachez que ça, c'est autre chose du cerveau. Autre mécanisme du cerveau, apprenez ça, il y a toujours mieux. Il y a une meilleure cible, il y a un meilleur positionnement, il y a un meilleur visuel, il y a un meilleur message, il y a toujours mieux. Il y a un meilleur homme dans vos relations, il y a toujours quelqu'un de mieux. Le cerveau, il pense toujours que ce n'est pas assez. Donc, si vous continuez à dire « j'ai besoin de clarté pour pouvoir communiquer, j'ai besoin de sécurité pour pouvoir faire un live, j'ai besoin de confiance pour pouvoir être entrepreneuse », illusion, illusion, illusion. Vous êtes en réaction à une émotion. Je suis en train d'observer que l'insécurité, le manque de confiance et le manque de clarté, c'est juste mon cerveau, ce n'est pas qui je suis. Si j'ai la joie de parler aux femmes enceintes, aujourd'hui je parlerai aux femmes enceintes. Si d'ici à 3 mois je me rends compte que j'ai envie de changer, je parlerai à d'autres femmes. Vous savez quelle était ma croyance qui a toujours fait que je réussis? Peu importe, je vais réussir. Ma croyance est, peu importe, je vais réussir parce que Dieu, l'univers, veut que j'aide les gens. Donc mon rôle est d'être là, au service. J'ai toujours la foi. La chose qui m'a fait réussir, c'est que j'ai toujours la foi. La foi dans le fait que je suis là pour servir et l'univers va toujours me récompenser pour le fait que je suis au service. Peu importe la cible, je n'ai pas besoin que les choses soient claires, l'univers va me montrer. Je fais confiance. Dès que j'ai la foi, ça va fonctionner. Dans la Bible, il y a écrit, « Donnez à l'homme de la foi grande comme un grain de moutarde, elle bougera des montagnes. » Vous n'allez pas réussir parce que vous avez la bonne cible, le bon message, le bon positionnement. Vous allez réussir parce que vous commencez à y croire. Ah, ça c'est le bon. Alors pour ça, ça va fonctionner. Mais pas parce que c'était le bon. C'est parce que vous avez commencé à le croire. Peu importe, tu vas réussir. Peu importe la cible que tu choisiras, tu vas réussir. Peu importe le message, tu vas réussir. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de toi. Je vous raconte cette histoire d'un homme. Un docteur, il rentre dans un hôtel. Il ne dit à personne qu'il était un docteur. Et puis d'un moment, dans l'hôtel, il y a une petite fille qui commence à faire un malaise. Et personne pense à l'appeler. Personne pense à l'appeler parce qu'il avait dit à personne qu'il était un docteur. Et du coup, la petite fille meurt. Votre rôle est de dire aux gens que vous pouvez les aider à un maximum de personnes. Peu importe comment, peu importe de quelle façon, vous êtes dans votre tête quand vous faites ça et vous vous privez de servir les gens, vous vous privez de votre aide. Si aujourd'hui tu crois que tu peux aider les gens, les femmes après un divorce, parle aux femmes après un divorce. Demain tu découvres que c'était plutôt les femmes qui veulent trouver une relation à l'homme de leur vie, parle à ces femmes-là. Ça c'est juste ici, c'est juste ici. Tu as déjà la réponse, c'est que tu es ici. Alors n'attends pas d'avoir tout clair. Pour commencer, commence et les choses vont se clarifier. Aie la foi. Il y a des gens qui ont déjà besoin de toi là où tu es. Comment créer des programmes? Quels sont tes questionnements ou quoi pour créer des programmes? Ça, c'est quelque chose que j'enseigne dans le Mastermind. Comment structurer son offre, s'il te plaît, Claudia? Je procrastine pour beaucoup par peur. Hyper simple. Prends une décision. Combien de personnes, quelle typologie d'accompagnement? 6 mois, 3 mois, quelle longueur? La structure. Combien de séances par semaine? Une heure. Parce que je considère que c'est le minimum pour pouvoir avoir des résultats. Ok, à quel prix je vais vendre ça? 2000 euros par mois. C'est ce que je vous conseille dans la business school. Super, je le vends. En combien j'ai créé mon offre? Il te sert à rien être dans ta tête, à dire « Ok, mais peut-être Claudia, mais attends, non Claudia, parce que je dois réfléchir. » À quoi tu dois réfléchir? Les réponses ne se trouvent pas là. Ça, c'est la partie qui crée le problème. Ce n'est pas avec ça que vous allez trouver la solution. La solution est ici. Quelle est la meilleure façon pour mes clientes pour avoir le résultat le plus facilement, le plus rapidement possible? Ok, je sais que dans une séance seule, je ne peux pas les aider vraiment. Donc, il me faut plusieurs séances. Super. Vu que je vois ça, à ce moment-là,
je considère qu'un accompagnement minimum de 3 mois, c'est ce qu'il leur faut pour avoir les résultats. Ok, je vais mettre une séance par semaine parce que je considère que c'est bien pour ne pas laisser trop d'espace entre une séance et l'autre et qu'ils se perdent sans moi. Peut-être je vais mettre le fait qu'ils peuvent me contacter par mail et je le mets à ce prix-là. Clarté. Vous êtes déjà en clarté lorsque vous sortez d'ici. Vous avez déjà les réponses lorsque vous sortez d'ici. Venez dans la business school, je vous assure que c'est là, c'est grâce à ces questions que vous allez tout de suite, oh, ah, je reviens, oh, je reviens. Ah, j'étais en train de me croire le personnage. Si j'ai peur de ne pas apporter assez, bien sûr que le cerveau a peur de ne pas apporter assez, c'est tout que le cerveau va vous faire croire. Et si c'est pas assez, il sera assez pour les personnes qui ont besoin exactement de ça. Et toutes les personnes qui vont croire que ce n'est pas assez, ils devinent dans quelle partie d'eux ils sont ici. C'est pas assez, je veux plus, je veux ça, ça ne fonctionne pas, etc. Alors là, tu peux faire, ok, où est-ce que je peux venir à la rencontre de la cliente pour voir comment on peut trouver une solution et lui apporter ce dont elle a besoin, tout en reconnaissant aussi que la cliente, elle est dans sa tête à chaque fois que ce n'est pas assez, parce que tout est déjà assez, tout est déjà là pour elle, tout est déjà à notre disposition si on décide de le voir. Oh super, ma cliente est en train de se croire qu'elle est son cerveau, je vais l'aider. Il y a un de mes premiers modules dans la business school dans lequel j'explique super bien ça et comment le naviguer, comment aider les clientes à voir ce que leur cerveau va faire quand ils rentrent dans mes coachings, quand ils rentrent dans chaque accompagnement. Le cerveau de vos clientes va faire des résistances. Pourquoi? Parce que c'est le cerveau qui veut vous protéger. Il veut vous protéger. Donc, j'ai beaucoup parlé dans cette première journée. Gardez vos questions pour demain. Je ne sais même plus quelle heure. Voilà, comme toujours, je papote et puis je me perds. Mais, premièrement, je vais vous faire savoir que du coup, les portes de la business school sont ouvertes et dans ce programme, je vous donne plein de PDF aussi sur comment trouver vos premiers clients, comment faire des stratégies, comment communiquer. Tout est là, mais surtout, on travaille ici et quand vous venez en coaching, on revient. Les portes sont ouvertes, vous le savez. On se voit encore demain pour parler des ventes. Je vais continuer à vous coacher. Vous avez vu la richesse de juste cet échange-là quand vous écrivez. Donc, vraiment, venez à vous faire coacher et venez aussi écouter les autres qui sont en train de se faire coacher parce que je sais que ça va résonner avec beaucoup d'entre vous. Merci pour votre énergie. Les liens, désolé, Facebook n'a pas marché, mais en ce moment, Mercure rétrograde. En tout cas, on se retrouve sur Instagram pour sécurité. Je vais vous mettre un petit mail demain. Enfin, mon assistante va vous écrire ça. Merci pour votre énergie. J'espère avec tout mon cœur que ces premières journées vous ont apporté des réponses et vous ont fait venir en clarté. On va continuer demain, ok? Si vous avez des questions, s'il vous plaît, écrivez-nous. N'hésitez pas, écrivez-nous par mail, écrivez-nous sur Facebook, écrivez-nous moi sur Instagram ici. Posez-moi des questions. Je suis là pour vous aider. Vous allez voir, demain, ça va être encore plus puissant. Merci finalement. Merci à vous. Super. Donc, on se retrouve demain à 20h30. Tous les liens pour la business school sont dans ma bio. Si vous avez besoin de poser des questions, n'hésitez pas. Mon assistante est là et je vous souhaite un bon dodo. Bye bye.